je suis puni. Je suis obligée de regarder le feu d'artifice à la télé. Alors qu'on est juste à côté. Alors qu'on est à côté. Non. Elle aime pas les feux d'artifice. Elle a peur. Mon chien. T'as peur. Mais non. Tout va bien. Regardez, je suis trop déçue. Cet arbre, il gâche tout. Je pourrais le voir de chez moi. Je suis trop triste. Regardez, je suis trop déçue. Cet arbre, il gâche tout. Je pourrais le voir de chez moi. Je suis trop triste. Bonjour à tous. Petit point Covid ce matin. Je pensais que ça allait un petit peu mieux. Donc du coup, je m'étais motivée un petit peu à me coiffer, à m'habiller, à m'activer un petit peu. Et en fait, le plus gros symptôme qui me dérange le plus au-delà de la toux, de la fièvre, c'est vraiment d'être fatiguée au moindre truc que je fais. C'est rien que de tenir mon téléphone, là, je vous promets. J'ai le bras tout flasque, en fait, je suis mais super fatiguée. Le seul avantage pour vous, le fait que je sois confinée chez moi, c'est que je peux vous déniger un petit peu toutes les nouveautés, les bons plans en ce moment. Donc là, je viens de tomber juste sur un truc de fou. Je ne sais pas si vous connaissez le site About You. C'est là où je commande plusieurs vêtements. Et ils viennent de sortir une capsule avec Kendall Jenner. Je viens de voir ça sur Instagram. Hey, it's Kendall. Oh my God, there's so many good things about the summer. Everyone gets really excited for the summer and like that energy that the summer brings to like us as humans. À 19h20, je croise les doigts très fort pour que ça continue comme ça et que demain je me sens mieux et surtout que j'ai la force de faire le fameux live dont je vous ai parlé pour pouvoir répondre à toutes vos questions et surtout arrêter d'être fatiguée. Donc bon, j'ai encore le nez bouché, je tousse encore pas mal, mais ça vraiment c'est un détail par rapport à la fatigue. Voilà, donc je croise très fort les doigts et demain si je suis au taquet, promis, on se fait ce fameux live. Soyons zen, tout froid dans les veines, soyons zen.